comment bien préparer les fêtes de fin d'année. C'est vrai que les fêtes de fin d'année riment souvent avec des repas gargantuesques où on ne va pas forcément manger l'alimentation que l'on a l'habitude au quotidien. Donc comment faire pour se préparer et passer les fêtes au mieux? Tout d'abord, vous avez l'option bien sûr de continuer à garder la même alimentation, et ce même durant les fêtes, vous allez prendre votre propre nourriture ou alors ne pas participer au repas, etc. Personnellement, je sais que j'aime bien participer au repas de famille, au repas avec les amis, et ne pas me singulariser en disant je ne vais pas manger ceci, je ne vais pas manger cela, ou il faut faire ceci, etc. De plus, en naturopathie, on dit souvent que c'est bien d'imposer un stress au corps, que ce soit lors de la phase de jeûne. Lorsqu'on jeûne, on crée un petit stress au corps qui lui permet de s'adapter, mais aussi on peut créer un petit stress au corps qui lui permet de s'adapter en faisant un repas plus copieux que d'habitude avec des aliments dont nous n'avons pas l'habitude de consommer, et ce n'est pas très grave. Ceci dit, avant de faire ces repas, je vous conseille de préparer votre organisme. Vous pouvez suivre le programme de régénération de l'organisme en 15 jours, c'est-à-dire en faisant un jeûne de 5 jours et en le préparant 5 jours avant, en faisant une phase de reprise alimentaire 5 jours après. Vous voyez, ça fait 15 jours. Ou alors vous faites un jeûne plus court, peut-être de 3 jours ou 4 jours à la maison. Dans tous les cas, je vous conseille vivement de faire un jeûne ou une cure détox 3 à 4 semaines avant Noël. Vous voyez, on est dans la bonne période. Et durant la phase des réveillons aussi, vous pouvez, le jour où vous allez manger un repas copieux le soir, par exemple, vous pouvez prendre que des fruits, prendre un jus de légumes. Environ 30-50 centilitres de jus peut suffire durant cette journée. Vous allez faire un repas copieux le soir et le lendemain, vous jeûnez encore 24 heures. Généralement, on n'a pas faim le lendemain de Noël. Bon, vous allez dire, c'est un peu difficile si on compte faire le réveillon le jour de Noël. Vous voyez, ça fait deux repas qui se suivent, donc pas de problème. On jeûne 24 heures après le dernier repas et on fait pareil. On prend des fruits, des légumes, des soupes, des choses un peu plus légères pour préparer chaque fête. Et je vous invite vraiment, même au quotidien, lorsque vous faites un repas au restaurant le soir, c'est pas grave, vous avez profité. Il faut savoir que la nourriture, c'est un lien social important. D'ailleurs, vous avez dû remarquer qu'il est impossible souvent de se réunir pour ne pas prendre un café, pour ne pas manger, pour ne pas partager quelque chose de comestible ensemble. Donc vous voyez, toute notre société est basée sur l'alimentation et le fait de partager quelque chose au niveau social. Donc je vous invite vraiment à préparer votre organisme avant, pendant et même après, à faire une petite cure de détox ou un jeûne au mois de janvier. C'est ce que je fais tous les ans et vous verrez, je vais vous inviter au mois de janvier à jeûner avec moi les premiers jours de l'année. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à commenter ci-dessous.